Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes avec le Vulture. Parce que je vais vous montrer comment on peut se faire de l'argent facilement et rapidement, entre guillemets, sur Star Citizen. Et sans débourser, normalement, si vous avez le Vulture, aucun AUC. Alors, si vous n'avez pas le Vulture, forcément vous allez débourser soit pour la location, soit à l'achat. Mais après, c'est très rapidement faisable, on va dire, rien qu'avec la route commerciale que je vous ai montré tout à l'heure, dans une dernière vidéo, pardon. Excusez-moi, c'est que plusieurs vidéos sur ça, donc il y a un petit peu de cafouillage. Mais en tout cas, voilà, pour la dernière vidéo, la route commerciale à 2 millions. Voilà, normalement, s'il n'y a pas de problème par rapport à ce niveau-là. Donc là, je vais vous montrer comment vous faire la thune, vraiment avec un Vulture. On va dire entre guillemets, sans vraiment dépenser, à part, comme je viens de vous le dire, l'achat du Vulture. Donc tout simplement. Avant toute chose, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. On est 850 sur cette chaîne YouTube. Donc je vous invite, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, voilà, s'il vous plaît, je vous aide dans le jeu. N'hésitez pas à me rendre l'appareil en vous abonnant, surtout que vous, c'est gratuit. Donc s'il vous plaît, faites-le. Il y a plus de 85% des personnes qui regardent les vidéos à ne pas être abonné. Voilà, ça vous coûte vraiment rien, les amis. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le petit bouton abonner et lâcher un petit like. Vraiment, ça fera super plaisir. Donc, mes amis, aussi dans la description, il y a deux Discord. Discord communautaire de Lineage 86. Donc, c'est notre petite communauté qu'on est en train de se créer autour du multigaming. Donc, voilà, tout le monde sont les bienvenus sur ce Discord. N'hésitez vraiment pas à venir et à animer le Discord. Voilà, vous serez les bienvenus. Second Discord, le Discord de la corporation de la DG Team. Donc, ce Discord-là, il fait que pour les personnes qui n'ont pas de corporation, qui se jouent solo ou même en groupe, mais sans corporation, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on propose pas mal d'événements ou de choses à faire sur Star Citizen. Donc, n'hésitez pas. Et si vous cherchez quelque chose de sérieux et fun, n'hésitez pas, encore une fois, à nous rejoindre. Par la même occasion, il y a un Tipeee. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas, c'est dans la description. Et par la même occasion, mon code parrainage. Voilà, tous les nouveaux comptes sur Star Citizen. Mettez mon code de parrainage et vous gagnerez 5 000 AUC. Et croyez-moi qu'au départ, c'est vraiment war 5 000 AUC. Et merci à tous ceux qui le feront. Et du coup, les amis, on va commencer. Donc, commençons par vous montrer où on se trouve. Donc, nous sommes sur Yela, nous sommes dans la ceinture d'astéroïdes, et comme vous pouvez le voir, on est à côté de Grimex. Donc, là, quand vous venez sur. Donc, vous jumpez sur Yela, d'accord? Donc, dès que vous êtes sur Yela, vous cherchez ce petit point, donc à côté de Grimex, qui est. Non, c'est pas moi, du coup. Qui est mineur. Juste que je me rappelle du Blas. Voilà, mineur lament. Donc mineur lament, c'est là où vous devez spawn. Donc dès que vous spawnez ici, voilà, donc vous essayez de vous éloigner de Grimex, pas aller vers Grimex, ce serait une très grosse couille. Du coup, après, vous mettez, donc là, admettons, voilà, on est ici. Donc on va passer en mode scan, voilà. Donc là, moi, je me suis mis direct à 50%. Donc pour changer les pourcentages, donc on parle de pourcentage juste ici, c'est alt et la molette. D'accord? Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un truc inconnu ici, c'est du 1700 et là du 1900. Donc, on cherche concrètement des plaques. Donc, c'est un truc gratuit. C'est des espèces de bouts de vaisseau qui sont gratuits que vous pouvez choper dans l'espace. Donc là, comme vous voyez, ici, il y a un truc à 12 km. Donc, c'est pas très rare, hein. Dès que vous en avez un, vous en avez beaucoup. D'accord? C'est juste qu'il y a un côté aspect technique maintenant dans le salvage que j'ai appris moi-même il y a quelques minutes, voire heures de cela. Je vais vous montrer, bien entendu. Et comme je vous dis tout le temps, je teste à chaque fois ce qu'on me dit, ce qu'on découvre du coup, dans Star Citizen. Et il n'y a pas que dans Star Citizen, c'est même dans tous les jeux que je fais. Je suis obligé de le découvrir un peu avant et vous faire découvrir ça après, si ça fonctionne et si tout est correct. Donc là, en moins de 45 minutes, je dirais, j'ai rempli déjà ma suite à l'arrière, et c'est pour ça que j'ai pris de l'avance. Et vous allez voir, là, normalement, une plaque, c'est réglé, quoi. Donc, faut bien entendu, j'ai oublié de vous le dire, mais faut aller dans des chiffres ronds. Donc là, 1700, 1600, 1800, 1900, 2000. Tout ce qui est 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, c'est le mieux. Plus ça monte, mieux c'est, d'accord? Mais en gros, voilà, c'est des chiffres ronds. Donc là, on a
C'est un rocher, donc c'est pas bon. Tac. On va aller voir celle-ci, parce qu'elle était à 1900. Donc je suppose qu'il doit y en avoir dans pas mal de ceintures d'astéroïdes ou autres, mais moi je suis venu aller là parce que on m'a conseillé de venir aller là. À savoir que c'est un truc assez chill. Normalement, en règle générale, en une heure et demie, vous remplissez votre vulture. On soit bien d'accord. Là, c'est quoi? C'est encore un astéroïde. Ok. Donc là, du 16 000. Vous voyez le 16 000 là? Ça, faut y aller. 16 000, c'est plutôt pas mal. C'est même worth, on va dire. Hop, on va mettre un peu les... C'est du combien, ça? Merde. 1900. Je vais aller à 16 000, loin. C'est... Ouais, 16 000, ça m'intéresse plus. Je pense que 16 000, il y a quelque chose de... de beau, là-bas. Qui nous attend. Donc là, de toute façon, je vais éviter de vous faire des cuts pour que vous arriviez à vous retrouver un peu. Même j'allais dire, pendant le salvage, je vais peut-être faire de, à la limite de l'accélérer pendant que je gratte les... Hop là. Ah bah voilà, là 16 000, vous voyez, 16 000. Donc c'est ça, hein, les chiffres ronds, c'est vraiment meilleur. 1000, 2000, 3000, 4000. 5000, 6000, 7000, etc., etc., etc. Du coup, tac. Là, on a des petites plaques. Ils viennent de disparaître. Non, voilà. Oui, non, c'est juste qu'à mettre un petit peu de temps à apparaître. Donc, les plaques en question, c'est celle-ci. Donc, une fois que vous avez trouvé vos plaques... pourquoi il passe en mode... Donc, on appuie sur point d'interrogation. Donc là, vous voyez, ça vous sort vos bras. Donc, ce que je vais faire, c'est... faire ça. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Et à savoir que moi, en un truc... j'ai rempli... attendez, parce que là, je vais être... hop. Je suis pas trop fan d'être... d'être face au soleil. Tac. Donc. Là, ça va être le moment le plus important. Donc, vous voyez que là, avec le côté gauche, je tiens la carcasse. D'accord? On est d'accord. Et là, avec ce côté, hop, je commence à salvage en gimbal. Donc, je vais vous expliquer comment faire ça. D'accord, les amis? Donc, comme vous pouvez le voir en haut, on voit ici HDL, HDR, FRA, DSI. Donc, à savoir, déjà, quand vous prenez la gimbal... enfin, ce côté-là. Donc, non, on va commencer par le côté gauche, pardon. Donc, pour déjà changer de côté ou autre, vous faites Alt, Q. Regardez, vous voyez, ça change. Alt, Q ou Alt, D. Vous voyez? Je passe dans les deux. Voilà. Donc, quand vous êtes sur celui-ci, donc là, ça veut dire que je contrôle ça. Voilà, donc, clic gauche pour l'activer et désactiver. Donc, tac. Et si vous voulez bouger le morceau sur lui-même, vous appuyez sur R et vous bougez votre souris. Voilà. Donc c'est un truc assez banal, assez simple, mais j'avoue que même moi ça m'a fait kiffer quand j'ai vu ça. Donc là par exemple, admettons, voilà, je l'ai bien placé, donc j'ai pas à bouger plus que ça. J'appuie sur Alt D, donc je passe sur, ça veut dire l'autre. Appuie pour passer gimbal. D'ailleurs, gimbal c'est pour bouger. Comme ça, sans bouger le vaisseau. D'accord, on voit bien le petit truc bouger là. Voilà. Donc, c'est G. Et là, vous avez plus qu'à à salvage. D'accord. Donc, à savoir que ces petits morceaux, normalement, si vous tombez sur 4-5 morceaux, ça vous remplit la soute du vulture.
Donc c'est un truc que vous pouvez même faire en groupe qui est assez intéressant. Donc à ne pas hésiter, bien entendu, à le faire en groupe. Donc là, comme vous voyez que c'est un truc quand même depuis que, enfin, depuis que j'ai découvert qu'on pouvait tenir avec le côté gauche et faire le côté droit comme ça, ça me fait kiffer. Voilà, parce que tout simplement, c'est quand même beaucoup plus simple de faire ça comme ça comme dit avant, quoi. Comme on faisait avant en tournée ou même en se mettant en Game Ball, je préfère le faire comme ça. Donc écoutez les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit accéléré le temps qu'on remplisse les derniers SCU de notre petit Vulture. Donc les amis, nous voilà terminé, rempli à ras-bord. Donc ce qu'on va faire, à la limite, attendez, je viens de me dire ce que je vais faire tout simplement, c'est que moi en off, je vais montrer un peu près comment faire, mais moi en off, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vider la soute et... vider la suite, la vider complètement parce que vous allez j'ai pas fait la grille ou quoi, et ce que je vais faire, c'est que je vous reprends dès que j'arrive sur Horizon, parce que c'est Horizon le plus proche. À tout de suite les amis. Donc les amis, je vous reprends rapidement pour voir à peu près comment on range le Vulture. Donc j'aurais voulu le mettre là, mais j'ai pas pu, donc voilà, tout ça c'est rempli de caisses, il y a juste là où ça sort, où j'ai mis qu'une seule caisse là. Donc voilà les amis, comment on range la Vulture. Allez, à tout de suite. Donc les amis, donc je vous montre rapidement où faut atterrir, parce qu'au cas où vous n'avez pas suivi ma vidéo dans la présentation d'Horizon, atterrir c'est ici, qui ressemble à une petite croix. Donc écoutez les amis, j'atterris avec le Vulture et je vous récupère dès que j'ai atterri. À tout de suite. Donc bien sûr les amis, si vous remplissez le Vulture comme moi, vous sortez par la porte là, hein, de côté. Hein. Ne sortez pas par la suite, je fais des petites coupures pour vous rappeler d'autres trucs parce que c'est très important. Là du coup on va aller droit à la revente, donc on va prendre les petites navettes et je vous reprends aux navettes du coup, comme ça vous montre où on passe et comme ça il n'y aura pas de problème, vous ne perdrez pas dans Horizon. Donc les amis, nous voici de retour, donc on va prendre direct celle qui vient d'arriver. Donc dès que vous sortez à gauche, voilà, en temps normal c'est pas si compliqué que ça. Est-ce que ce sera la bonne... c'est la bonne navette? Je sais pas, on va voir, je me rappelle vraiment plus. Mais en tout cas, si c'est pas elle, je vous reprends pour vous en informer. Donc, les amis, tac, donc finalement c'était la bonne navette. Donc c'est pas très compliqué, de toute façon pour après, c'est ici. Gauche, gauche, droite. Et droite. Non, c'était droite, gauche, droite, pardon. Oui, pas pour moi. Donc, à savoir, le Drake Vulture. Donc, c'est pas ici. C'est pas ici, excusez-moi. Donc, en fin de compte, gardez la navette, hein, parce que... Est-ce que j'aurai le temps de la reprendre? J'espère. Oh, la salope.
Pardon. Donc du coup, on reprend celle-là, c'est pour aller au TD1 en fait. Je me suis complètement gouré, excusez-moi les amis. Et on se tremble pas. Donc les amis, nous voici arrivés. Après un fail. Que je ne couperai pas au montage. Donc, une fois qu'on est ici, juste que je me rappelle, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu. Et je crois qu'il faut passer le pont qui est là-bas. Pardon. Parce que c'est carrément à l'opposé de là où on est arrivé. Vu qu'on s'était trompé de navette dès le départ, en fait. Donc, quand vous sortez des ascenseurs, prenez à droite, pas à gauche. 1, énergie 86. Tac. Hop là. Donc, normalement, là, on est bon. Si c'est pas bon, je vois pas où c'est, hein. Merci. Donc, c'est 173 000 pour ça. Donc là, c'est juste la soute, hein. Plus 159 000. Donc là, on est à 332 000, plus 113, même un peu plus. On est à, du coup, 500 000, 505 000. Donc là, je vais pas aller chercher ce qu'il y a dans le vulture. Enfin, ça sert à rien, hein, vous savez très bien. Vous m'avez vu remplir la soute du 13 STU. Donc ça veut dire on se fait 505 000 en quoi, une petite heure et demie, je dirais. Ah, allez, une heure et demie pour être gentil avec, avec les gens. Mais voilà, c'est assez chill, c'est assez simple. Et où il y a quasiment aucun risque de vous faire péter comme sur les routes commerciales. Donc 500 000 en une heure et demie. Voilà, moi je dis que c'est pas très cher. Enfin, c'est pas mauvais quoi. C'est un bon price. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai pris un certain plaisir à la faire. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Surtout les gens qui lâchent des beaux petits commentaires, ça fait plaisir. Donc je vous remercie tous ceux qui me remercient de faire ces vidéos pour les aider. Donc un grand merci à vous. Toutes les personnes qui ont fait ça dans les commentaires, vous me reconnaîtrez. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que mes vidéos servent aux gens. Donc je vous en remercie encore une fois de plus. Et surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et comme toujours, regardez la description, il y a toutes les infos concernant le code de parrainage ou les Discord, ou même pour rejoindre la DG Team. Donc voilà les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.